Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle séance de formation. Merci pour ceux qui suivaient la formation depuis le début. C'est une formation en programmation Python. Pour ceux qui viennent de commencer par suivre nos vidéos, je vous invite déjà à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Et à suivre les précédentes vidéos afin de pratiquer et de faire les exercices. Aujourd'hui, nous allons voir les indices. Nous allons commencer par définir l'indexation en Python et comment cela marche dans Python. Nous finirons, comme toujours, par un exercice d'application pour vous permettre de pratiquer ce qu'on aura vu. Dans une chaîne de caractères, l'indice est la représentation numérique de l'emplacement de chaque caractère. Dans Python, les indices commencent toujours par 0. On commence la numérotation en Python par 0. Considérons le mot Aquitaine ci-dessous. Donc Aquitaine, Aquitaine. Les indices, d'abord, nous allons parler des indices positifs. Comme on l'a dit, ça commence par 0. Donc, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, si je veux retrouver, par exemple, l'élément d'indice 0, je fais print région, je mets un crochet 0. D'accord? Je mets 0 dans entre crochets. Et après exécution, ça me donnera l'élément d'indice 0 qui est Kanta ici. Et l'élément d'indice 4, je fais région entre crochets 4. Et ça me donnera T, puisque c'est le caractère T qui a l'indice numéro 4. Il y a aussi les indices négatifs. Donc, on commence à partir du dernier élément. C'est moins 1, moins 2, moins 3, juste au premier élément. Donc, l'élément d'indice moins 9, c'est bien sûr grand A. Et l'élément d'indice moins 5, c'est petit t. D'accord? Alors, comment pouvons-nous récupérer le mot tain, T-A-I-N, dans la chaîne de caractères Aquitaine? Ceci est très simple. Regardez, tain. J'ai T à l'indice 4, A à l'indice 5, I à l'indice 6 et N à l'indice 7. Donc, de façon intuitive, je me dis alors que pour récupérer le mot tain, je dois aller des indices 4 à 7. D'accord? Et pour faire ceci dans Python, on met 4, 2,7. Alors, quand j'exécute, quand je fais région, je mets un crochet 4, 2,7, ça me donne TAI. Mais moi, je ne veux pas TAI, je veux TAIN. Alors, quand je fais print région 4 à 8 en crochet, là, ça me donne le résultat TAIN. C'est tout simplement parce que, en Python, dans l'indexation, la limite inférieure de l'intervalle est toujours incluse dans cet intervalle-là, mais la limite supérieure n'est pas du tout incluse. Donc, lorsque j'ai fait région en crochet 4, 2 points à 7, il m'a pris l'élément d'indice 4 qui est T, l'élément d'indice 5 qui est A, l'élément d'indice 6 qui est I. Il n'a pas inclus l'élément d'indice 7. Donc, pour inclure l'élément d'indice 7, il faut que je décale encore un peu plus et que je passe de 4 à 8. Comme ça, j'ai l'élément d'indice 4, l'élément d'indice 5, l'élément d'indice 6 et l'élément d'indice 7. Et j'ai le mot que je voulais récupérer, le mot tain. T-A-I-N. Donc, voici un résumé. Comment se fait l'indexation dans Python?
Comme toujours, vous allez effectuer ce test d'application. Nous allons, bien sûr, le faire dans la phase pratique et veuillez le reprendre afin de pratiquer. La programmation, c'est une question de pratique, comme je l'ai toujours dit, pour consolider vos connaissances. Sans plus tarder, nous allons passer dans Spider. Comme toujours, on va dans Anaconda, puis dans Spider. Alors, nous voici dans Spider. Aujourd'hui, on fait les indices. Alors, je vais créer une variable city égale San Francisco. D'accord? Et je vais récupérer le mot San, S-A-N, dans San Francisco. Il suffit de faire city, rocher. Alors, S, c'est l'élément d'indice 0, A, c'est l'élément d'indice 1, et N, c'est l'élément d'indice 2. D'accord? Je peux le vérifier quand je fais 0, 20, 1, 2. Et je vais exécuter. Donc, l'élément d'indice 0, c'est bien S. L'élément d'indice 1, c'est A. L'élément d'indice 2, c'est N. Moi, je veux récupérer 100. En groupé comme ça. Donc, je fais print city crochet 0 A. Je fais 0 à 3 et non 0 à 2. Parce que si je fais 0 à 2, il va prendre les éléments d'indice 0 et 1. Le 2 ne sera pas inclus. Donc, pour avoir l'élément d'indice 2, il faut que je fasse 0 à 3. C'est ce que j'ai fait. Je vais exécuter. Et vous voyez, ça me donne 100. D'accord? Alors, si je veux récupérer le mot Francis, d'accord? Je veux récupérer Francis. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, regardez, le, ça, c'est 0, 1, 2. Il y a un espace ici. Donc, cet espace-là est d'indice 3. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? Donc, je fais print de 5 à 11. D'accord? Attention, 4 plutôt. Donc, ici, le F est d'indice 4, donc 0, 1, 2, l'espace est d'indice 3, le F est d'indice 4, et le S est d'indice 10. Donc, pour pouvoir prendre le Francis, il faut que je fasse de 4 à 11. D'accord? Maintenant, supposons que je veux récupérer les 3 premiers éléments, d'accord, on me dit de récupérer les 3 premiers éléments dans San Francisco. Les 3 premiers éléments. Je fais print. Donc, j'écris la consigne ici. Récupérer les 3 premiers éléments. Donc, je fais print. City. Regardez ce que je vais faire. Puisqu'on m'a dit les 3 premiers éléments, d'accord, je peux faire tout simplement 2 points comme ça, 3. D'accord? Puisque je n'ai pas spécifié la borne inférieure, Python commencera toujours par 0.
Alors, j'exécute. Et là, j'ai mes trois premiers éléments S, A, N. D'accord? Donc, lorsque vous ne spécifiez pas la borne inférieure, Python commencera de toute façon par 0. Donc, quand je veux récupérer les trois premiers éléments, j'ai pas besoin d'écrire 0, 2.3. J'écris tout simplement 2.3. D'accord? Si je voulais récupérer les cinq premiers éléments, voilà, donc ça me fait 100 espace F. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. L'espace, il faut le compter. Donc ça fait effectivement les 5 premiers éléments. Maintenant, si je veux récupérer les 3 derniers éléments, les 3 derniers éléments, je fais moins 3, 2 points, tout simplement. D'accord? Donc, il va commencer à l'avant-dernier élément jusqu'à la fin. D'accord? Donc, j'exécute. Ça me fait SCO. Et effectivement, ce sont les trois derniers éléments. Les quatre derniers éléments, tout simplement, moins 4, 2 points, ISCO. D'accord? Les cinq derniers éléments, SISCO. Voyez. Donc, voici comment je passe l'indexation. Veuillez refaire l'exercice d'application qu'on vient de faire ensemble. Refaites-le. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse email que je laisserai dans la description de la vidéo. Le lien pour la présentation et l'exercice du cours sera aussi mis dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.